Salut. Malheureusement, la plupart du temps, quand les gens s'expriment en français, ils ont tendance à bloquer, à bégayer, et finalement, ils perdent la personne qui est en face d'eux. La solution, c'est vraiment d'apprendre à être court et concis. C'est pourquoi je vous invite vraiment au début à faire des phrases courtes, un sujet, un verbe, un complément. Des phrases comme ça, très concises, vous permettent d'être pertinent, efficace, et surtout de parler sans bloquer. Réduisez le nombre de qui et que dans vos phrases. Les pronoms relatifs ont tendance à alourdir et à complexifier les phrases et causent le risque de commettre des erreurs de construction. Donc, au lieu d'essayer de relier vos phrases par des mots liens pour aller trop vite, pensez plutôt à couper vos longues phrases en deux. Les phrases longues demandent trop de réflexion et causent un risque de blocage. Vous commencez une phrase, puis votre phrase ne se finit jamais. Le problème de ça, c'est que à un moment, tellement votre phrase est longue, vous allez vous perdre et vous n'allez pas trouver vos mots. Évidemment, il y a plein d'autres astuces pour bien s'exprimer, mais déjà apprendre à être court et concis, ça va vous faire progresser énormément.